Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je rappelle qu'ici, j'essaye de donner des bons plans pour te faire gagner des petits centimes ou des gros dollars. Donc là, nous sommes le 26 mai. Sur mon robot e-marketing, il y a du budget publicitaire qui tourne depuis le 26 avril. Donc ça fait un mois qu'il a démarré, qu'il a commencé à travailler. Donc je voulais te montrer l'avancement, tout simplement. Donc je rappelle que pour s'identifier lorsqu'on arrive sur ce panneau, il faut utiliser le petit cerveau bleu. J'expliquerai dans une autre vidéo pourquoi. Donc je me connecte, mot de passe. Donc nous voilà sur l'interface. Donc voilà, donc là il y a un graphique 26 avril, donc 0. Donc c'est avec les publicités de la première journée que le 27 avril j'ai récupéré les premiers cashbacks. Donc ce qu'on voit c'est que voilà, ça fait un peu l'ascenseur émotionnel, hein. Ça monte et ça descend, donc là sur 30 jours. Là je suis parti, 9$, c'est rechuté à 5, après hop, c'est monté jusqu'à 28, c'est redescendu à 13, c'est remonté à 27, la grosse chute à 5. C'est remonté jusqu'à 28, la grosse dégringolade jusqu'à 3, voilà, 25, bon, ça, mon record aujourd'hui c'est 33$, bon, après là ça a rechuté à 10, là hier il a fait 13, bon, voilà, donc ça dépend des campagnes de publicité hein, sur lesquelles le budget est investi, ou du coup le rendement est plus ou moins bon en fonction de l'impact de la campagne et des ventes qui sont faites derrière. Donc là, mon budget publicitaire ça a été 377$, donc en fait moi j'ai mis 300$, j'ai utilisé le chèque cadeau de 50$ de e-marketing et le fait de charger mon compte les 300$ avec Payeer, ça m'a donné 9% de bonus, donc 27$ de plus. Donc c'est pour ça que c'est 377$. Donc ce bonus il est le bienvenu puisque quand j'ai transféré l'argent par carte bancaire sur mon compte Payeer, je crois que Visa m'a pris 5% de frais et puis après je devais avoir 1% de frais pour faire le transfert de Payeer vers e-marketing. Donc 6% de frais au global, j'ai récupéré un bonus de 9, donc du coup ça me paye les frais et je récupère un petit bonus, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc budget publicitaire 377, aujourd'hui je suis à 490€ de cashback, mais tout le budget n'a pas été consommé. Si je vais sur les stats, voilà, aujourd'hui il y a 271$ qui ont été dépensés, en comptant la journée d'aujourd'hui sur lesquelles les ventes, j'ai pas encore de vente. Donc du coup 377$ de budget, 270 de dépensés, 490 de cashback. En moyenne, je suis entre. Bon, là j'ai une petite journée à 4, là, mais sinon c'est plutôt entre 6 et 10 ventes. Ça tourne beaucoup autour de 8-9. Donc 8-9 ventes par jour. Après, c'est le niveau des ventes et des cashbacks qui fait que voilà, ça gagne petit ou ça gagne plus gros. Si on prend juste la journée d'hier, voilà, le meilleur cashback c'est là. Il y a eu une dépense de 101$. C'est un cashback à 10%. Donc du coup ça me rapporte moi 5,58$, puisque je rappelle que le cashback il est partagé entre 55% pour moi et 45% pour la plateforme. Donc il y a 5,58$ qui me reviennent et 4,57$ qui reviennent à la plateforme. Et donc ce cashback devrait m'être payé dans 39 jours. Donc là on voit hein, tous les cashbacks sont en attente. Donc là si on remonte ici sur mes 490$, de cashback, j'en ai 431 qui sont en cours, c'est-à-dire qui sont en attente ici, et 69 qui ont été approuvés, donc qui sont payés, c'est du cashback disponible. Si je vais sur la fin, parce que c'est les premières ventes forcément, voilà. Ici donc j'avais des ventes qui ont été faites là fin avril, avec des délais de 20 à 30 jours de validation, qui sont passés en statut approuvé, donc ce sont ces montants-là qui remontent ici. Voilà, j'en ai par-ci par-là. Et puis donc j'ai des en attente qui doivent être un peu en retard. Hein. 28 jours. Ah non, ça va encore. Donc voilà. Donc les stats, on a vu tout à l'heure.
Donc voilà, donc des ventes qui sont presque linéaires. Maintenant, si je regarde sur l'application AI Gestion, qui me donne d'autres indications, donc là on voit que mon budget pub, donc 270, ici la jauge, elle est arrivée dans le orange, puisqu'il ne me reste plus que 100$ de budget. Donc ça me donne une alerte en me disant attention, il va bientôt falloir recharger, puisque faut pas oublier que quand on remet du budget publicitaire, il y a un délai avant que le budget soit consommé. Hein. D'abord, il tombe dans la balance des annonces. Après, bon, il y a un délai de 48 heures qui est annoncé, mais en ce moment, c'est un peu plus long. Parce que moi, quand j'ai mis mon premier budget, même le ticket de 50$ de e-marketing, il a mis 5 jours à se mettre en route. Et mon budget propre, il a mis 6 jours. Donc là, quand je vais recharger, bah, je pense que ça va mettre encore 5-6 jours. En ce moment, ils sont un peu à la traîne. Donc là, ça m'indique que la phase de rechargement, elle approche. Donc comment... enfin, j'ai terminé ça déjà. Donc là, ça reprend en fait la courbe des cashbacks. Et ça, c'est les budgets publicitaires dépensés. Donc on voit qu'au départ, bon, bah, il était sur une campagne qui me consommait 12$ par jour. Et puis là, depuis le 9 mai, je suis à 8,13$ stabilisé. Donc j'imagine que je suis sur une campagne publicitaire qui me consomme ce budget-là. Tant que la campagne n'est pas terminée, bah, ça va continuer comme ça. Et on voit que j'ai 2 jours où bah, j'ai perdu des sous. Puisque là j'ai eu 5$ à peine pour 12$ dépensés, et puis ici 3$ de récupérer pour 8$ dépensés. Bon, c'est 2 jours, quand on voit les autres, comment ils sont bien dans le vert, comment ça gagne, il n'y a pas de problème. Puisque là, si on regarde par rapport, donc lui il prend les 300$ que moi j'ai mis en référence, hein, ce logiciel, et on voit que en fait j'ai dépassé ce seuil entre le 15 et le 16 mai. Donc du coup, ça a mis un peu plus de 2 semaines pour que j'ai récupéré le cashback qui correspond à mon budget. Et ici, c'est une simulation par rapport aux délais d'attente qui sont annoncés sur iMarketing. Ça donne une trajectoire prévisionnelle du moment où ton cashback devient disponible. Et donc en fait, par rapport à mon budget de 300, bah, voilà, il considère que ça va être ici, entre le 15 et le 16 juin, que je devrais avoir en cashback disponible les 300$ que j'ai investi. Donc j'ai investi à peu près le 20 avril, donc ça met presque 2 mois. En presque 2 mois, j'aurais récupéré ce que j'ai investi, donc qui va retomber ici dans le cashback. Mais le but, c'est de continuer à faire tourner le robot, puisque une fois qu'il aura consommé tout le budget publicitaire, bah, le robot il s'arrête. Donc là, comme j'ai utilisé le chèque cadeau de 50$, du coup je suis obligé d'attendre d'avoir 100$ ici la première fois pour pouvoir faire le premier transfert. Donc d'après AI Gestion, si je prends le cashback mensuel, normalement à la fin du mois je devrais avoir récupéré 130$. Donc ce qui me permettra de réinjecter du budget pub, puisque là bon bah, je vais attendre les 100. Je vais peut-être attendre la fin du mois si les 100 sont atteints avant. Et puis bah, je vais remettre ça dans la balance des annonces, qui redescendra après dans mon budget pub pour que mon robot continue de fonctionner. Ce que j'espère juste, c'est que le délai sera pas trop long et de manière à ce que mon robot ne s'arrête pas pour pouvoir générer plus. Puisque là, comme c'est le premier mois, je vais pas récupérer. Déjà dans le cashback disponible, je vais pas le récupérer, je vais plutôt le réinvestir pour faire gonfler le pochon. Donc voilà, donc c'était juste pour vous donner des nouvelles de mon robot après un mois d'existence et vous dire comment il s'est comporté. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, mets les petites cloches pour les notifs, je continuerai de faire du suivi. Je ferai une vidéo sur le premier rechargement et puis je vais continuer de vous montrer la progression de ce robot. Donc sachant que là c'est sans filleul, j'ai aucun filleul, donc c'est uniquement le robot qui génère ces montants là. Voilà, je te remercie de ton attention et je te dis à très bientôt.